Bon alors moi, comme d'hab, coup de sang, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon camion, je l'ai chargé, et voilà. Maintenant, me v'là arrivé à un endroit où je suis jamais allé encore, je suis jamais allé surfer, et je me dis que, bah, vu que j'ai un camion, faut en profiter. Belle journée d'annoncer du beau surf, je vais pouvoir surfer la petite fishtail de la Oa Surfboard en fishtail. Elle va être parfaite pour demain, je le sais, elle est tellement bien cette board, je la kiffe. En tout cas, je tiens à vous remercier aussi pour toutes les commandes qui ont été effectuées. Merci beaucoup de nous soutenir. Franchement, ça fait tellement plaisir de se dire que bah, on travaille, mais pas pour rien. On travaille pour vous et pour vous satisfaire et ça vous plaît. Donc vraiment, ça nous motive. Merci beaucoup. Donc si vous voulez, vous pouvez aller commander. Le lien est dans la description. Et si vous avez des questions, surtout sur les dimensions, sur les codes, sur quel modèle, quelle taille choisir, n'hésitez pas à venir nous envoyer des messages privés sur Instagram. Moi, je suis toujours là pour vous répondre. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous laisse profiter de cette petite session. Bon allez, 6h30 est passé, là je suis allé checker, il y a des petits bouts, c'est cool. Je vous dis pas où je vais, par respect pour les locaux, les mecs me l'ont demandé. Il n'y a pas trop de monde en plus, donc enfin voir, il n'y a même personne, c'est un peu pour ça que je viens. Donc me demandez pas forcément en commentaire où c'est. Les joies du surf, c'est aussi ça, c'est trouver une petite vague, se faire plaisir. Du coup, dans mon board bag, j'ai la petite fishtail, la board et la pod mode. J'ai pris les deux. Comme ça, ça va me permettre de changer et de profiter. Puis la fishtail avec les deux petits ailerons qu'on vient incruster. Je l'ai en 5-8 et avec ça, je vais me régaler dans les petites vagues. Il y a des petites séries qui passent, c'est royal. Je vais trop m'amuser, il n'y a personne, ça, ça n'a pas de prix. En vrai, parce qu'à me dire une session moins bien, mais une session sans personne, quoi. Et la petite vague du bord, regardez. Ouh. Après, c'est pas les... il y a des séries, hein, pas de panique. Je vais sur un spot un peu plus, comment dirais-je, surpeuplé, mais je suis pas sûr qu'il y aura trop de monde. En fait, il y a beaucoup de touristes, mais ils surfent pas. C'est au Grand Croc, c'est un bon spot, ça a l'air d'être bien. La vague juste en face, elle marche, donc on va aller voir ce que ça donne. La houle est quand même bien rentrée là aujourd'hui. Je pensais pas que ça allait rentrer autant, parce que ce matin, il y avait, c'est-à-dire un gros que dalle. Et là, la houle, elle est rentrée, donc ça fait plaisir. Donc j'ai 15 minutes là, 10, ouais, 10 minutes de marche et puis j'y suis. Allez, go. Une série là. Il y a un putain de gros set qui passe là, à la gauche, elle est malade. Et je vois pas s'il y a du monde. Oh là là. Thank you.
est 6h15 du matin. Le soleil est en train de se lever. Il y a des putains de conditions à annoncer, donc je vais aller checker ça. Je suis à la plage du Grand Croc. Et du coup, là, les vagues, ça a l'air bien. Je sens le vent off, donc je m'habille direct et je vais aller voir. Ouh, elle est froide. Par contre, mais la session est vachement compliquée. Par contre, c'est trop beau. Mais y a pas beaucoup de monde qui prend des vagues. Les vagues, c'est très compliqué, je trouve. Ça se lève et puis ça part pas. C'est assez chiant. Mais bon, on est bien quand même. Voilà pour cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Paul il a grave kiffé, bon il est parti tout seul, j'étais pas avec lui cette fois-ci, mais on va se faire plein d'autres kiffs ensemble. On peut pas toujours partir tous les deux en même temps. Mais pour finir cette vidéo, je voulais vous poser la question pour pouvoir participer au concours, parce que dans la prochaine vidéo on va remettre un cadeau. Vous le savez, pour gagner les cadeaux qu'on remet chaque mois, il faut liker la vidéo, être abonné à la chaîne YouTube et répondre à la question qui est cachée dans chaque vidéo. Il y a aucune obligation, et pour ceux qui veulent participer, ils peuvent le faire. Donc le prochain cadeau, c'est cagoule et gants pour préparer l'hiver qui va bientôt arriver. Et la question pour vous dans cette vidéo, c'est depuis combien de temps vous surfez, si vous surfez. Si vous surfez pas, vous pouvez nous le mettre dans les commentaires. Et si vous surfez, c'est depuis combien de temps que vous avez commencé le surf. Alors Paul, il a commencé très tôt, vers 10 ans je crois. Donc il y a plus de 15 ans il me semble, mais il s'y est vraiment mis il y a 7 ans à peu près. Et moi, je m'y suis vraiment mis au surf il y a à peu près 5 ans. Bon surf à tous et à la prochaine. Ciao.